Voilà, je vais profiter de cet instant aussi pour remercier bien évidemment l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des dirigeants qui composent ce club. Ce club, c'est effectivement notre équipe, l'équipe de Trois-Lys. C'est également des équipes jeunes, 350 licenciés, plein d'équipes. Et puis ce soir, je voudrais en profiter également pour applaudir tous ces gens qui se consacrent au monde associatif, qui se consacrent au monde de la ville de Cité, la ville de département. Je voudrais remercier également tous les gens qui sont avec nous, les bénévoles institutionnels, les bénévoles qui sont dans toutes les autres associations. C'est des situations avec vous et je pense que la Cité a un grand besoin de vous. Donc merci à vous tous. Je vais remercier l'ensemble du staff, le staff médical, le staff d'animation qui nous a rejoint cette saison. Et évidemment la fanfare de Pontarlier ou Loulou. Merci à vous de nous accompagner. Et puis comme je vous disais précédemment, l'idée c'est jamais simple de se séparer de gens avec qui on a grandi, avec qui on a vécu des histoires d'amour, des points qui étaient compliqués, mais en tout cas de cette belle histoire. Et puis en tout cas, on est très fiers que vous soyez passés chez nous, on est très fiers aussi d'avoir servi de passeurs, de témoins, et puis on vous souhaite une carrière tout aussi florissante que ce que vous avez pu nous apporter ici. Donc je vais tout d'abord remercier Quentin Eman, de nous avoir fait ça. Et puis elle fait partie de nos enfants, mais voilà, c'est toujours très particulier de récupérer quelqu'un de 17 ans, de le faire rentrer au centre de formation et puis derrière de lui donner du travail, parce que c'est ça aussi, le sport professionnel, c'est donner du travail aux gens qui sont de chez nous, enfin Dieu. Voilà, donc je vous mets un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour monsieur Edouard Portier. Ceux avec qui j'ai partagé des choses aussi,
dernières années, j'en ai vu deux, trois, donc on a été deux joueurs, c'est pour dire. Voilà, et continuez à le suivre, il le mérite. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à vous.